Bonjour, dans ce cours nous allons effectuer un challenge. Ce challenge consiste à créer une classe calculatrice qui contient des méthodes pour effectuer des opérations mathématiques de base, addition, soustraction, multiplication et division. Chaque méthode doit prendre deux nombres en entrée et renvoie le résultat de l'opération correspondant. Ensuite, vous devez créer des tests unitaires pour chaque méthode de la classe calculatrice. Les tests doivent vérifier que les méthodes renvoyées renvoient le résultat attendu pour différents cas de test. Voici les méthodes que vous devez implémenter. Addition qui prend deux nombres entiers en entrée et renvoie leur somme. Soustraction qui prend deux nombres en entier et renvoie les différences. Ensuite, multiplication qui prend deux nombres entiers en entrée et renvoie leur produit. Puis, division qui prend deux nombres en entier en entrée et renvoie leur quotient. Si b égale à 0, la méthode doit renvoyer 0. Vous devez écrire au moins 3 cas de test pour chaque méthode de la classe calculatrice. Les cas de test doivent inclure des exemples où les deux nombres sont positifs, négatifs ou égaux à 0. Le code de la classe calculatrice et de test unitaire doivent être écrits en Java en utilisant le framework de test Unit. J'espère que vous avez compris ce consigne là. Dans le prochain cours, nous allons mettre en place et corriger le challenge.